Hey, as-tu déjà vu le transport à Côte ou ce n'est toujours pas mon problème? Si tu arrives ici pour ta première fois, commence par t'abonner parce qu'ici nous parlons de vraies opportunités. Tu vois ce système de transport? C'est le meilleur système de transport au monde. Il est le meilleur pour rappeler d'efficacité, de capacité, de mise en œuvre, de pollution dans le monde. Ce système de transport, jusqu'à le transport, ou encore transport à côte, a aujourd'hui deux centres est dans le monde. Un premier centre en Biélorussie, en Marina Gorka, et un deuxième centre aux Émirats Arabes Unis. Il est écologique. Ce système de transport est écologique, économique, et s'adapte facilement dans n'importe quel environnement. Dans cette technologie, il y a plus de 15 modèles de véhicules pour le transport des passagers et aussi pour le transport des marchandises. Cette image, c'est un mini flash. Et aller jusqu'à 500 km par heure, passer même sans faire bouger les feuilles d'un arbre, c'est magnifique. Comme je disais, il peut être construit sur toutes les zones climatiques de la planète. Qui ne voudrait pas d'un système de transport pareil qui peut permettre d'économiser jusqu'à 10 fois moins d'argent pour le construire que pour construire tous les systèmes de transport conventionnels? Parce que tu as encore la possibilité de devenir copropriétaire de cette technologie. Nous créons l'un des plus grands business de toute l'histoire de la civilisation atlantique, de ce que Stephenson, Ford ou Boeing ont réalisé. Alors, qu'est-ce que tu as? Moi, Skyward Community aujourd'hui, et ensemble, construisons le transport du futur. Évalué à plus de 1 milliard de dollars. Salut, salut, bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à cette présentation de ce magnifique système de transport que vous avez vu, cette vidéo introductive qui nous montre encore une fois de plus les merveilles de Niskistin Technologies, ce transport qui vient pour occuper plus de 50% du marché mondial du transport. Alors ce soir, je suis Donatien Gérard et je vais vous parler dans ce webinaire des dernières nouvelles du projet, tout d'abord. Ensuite, des différents facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous verrons les problèmes et les risques de sécurité des systèmes de transport actuels, les possibilités et les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique, qu'est-ce que Skyward Community vous offre et quels avantages et perspectives vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, nous commençons par cette bonne nouvelle pour tous les investisseurs. OK, la promotion traditionnelle de fin d'année chez Annuaire est de retour avec vous. Pour participer, nos partenaires, au moins autant pour moi, pour remercier nos partenaires pour leur soutien et les féliciter pour la fin d'année,
Nous avons repris la promotion Share New Year. Avec cette promo, vous pouvez soutenir le projet avec un escompte élevé, soit 1 sur 80, et partager l'accès à cette offre avec vos amis jusqu'au 13 janvier 2023. Écoutez, cette promotion est devenue traditionnelle, mais ses conditions ont été mises à jour. Maintenant, plus de partenaires actifs peuvent y accéder. Les utilisateurs ayant des statuts à partir de leader, quel que soit le nombre d'investissements. Première condition. La deuxième condition, c'est les utilisateurs qui, du 1er janvier 2022 au 13 janvier 2023 inclus, auront investi personnellement ou ont attiré au moins 2 500 $ en première ligne. Puis, les utilisateurs du back-office Skywalk Community âgés de plus de 55 ans, ou encore les utilisateurs dont les enfants ont effectué la vérification dans le back-office. Dans ce cas, la date de vérification de l'enfant n'est pas importante. Remarque, si vous achetez l'un des packs et donnez 3 coupons avant le 22 décembre à 17 h GMT plus 3, vous pouvez inscrire donc le pack et donner des coupons de nouveau du 22 au 13 janvier 2023. L'offre mise à jour s'applique également aux partenaires auxquels l'accès a été donné. Si vous achetez le pack avant le 22 décembre, vous pourrez le faire à nouveau. Pour les partenaires qui n'auront pas le temps d'inscrire le pack avant le 22, okay, l'offre restera la même. Il sera possible d'inscrire un pack et une seule fois. La promotion durera jusqu'au 13 janvier. Alors, soutenez le projet avec un escompte de 1 sur 80. Avec la promotion Share New Year, vous pouvez soutenir le projet en investissant par paiement unique ou par tempérament avec un escompte de 1 sur 80 aux conditions suivantes. Alors, les trois offres qui s'offrent à nous sont l'offre Thank You 20 000, qui est un pack de 250 $ qui vous permet d'avoir 20 000 parts dans le projet. Vous pouvez payer en cash ou à tempérament sur 5 mois. L'offre Thank You 40 000, qui est un pack de 500 $ payable en cash ou à tempérament. Et l'offre 80 000, qui est un pack de 1 000 $ payable sur 5 mois en cash ou à tempérament. Vous vous rendez compte donc ici, il y a vraiment pas mal, comme on a l'habitude de le dire. Un pack de 250 $ qui, en temps normal, vous donne 4 715 actions en ce moment, vous donne 20 000 parts dans le projet grâce à l'offre Thank You 20 000. Donc, n'hésitez pas, les gars, prenez le maximum, prenez le pack de 1 000 $ ici et faites-vous plaisir. Million de cœur Skywalk Community aura lieu dès le 22 décembre. Alors, le 22 décembre, l'événement en ligne à grande échelle, Millions de cœurs Skywalk Community de l'équipe Skywalk Community a préparé avant la fête de fin d'année aura lieu. Dans le cadre de cet événement, il y aura un tirage au sort de 1 million de parts et des prix uniques de l'équipe Skywalk Community. Alors, Christian Vanden qui est l'ambassadeur de Skywalk Community au Nigeria, et Rina Kramarenko, tant pour moi, chef de la section de la stratégie de communication de Skywalk Community, seront animateurs. Chacun d'eux travaille activement avec la communauté Skywalk Community et aide l'entreprise à obtenir des résultats inspirants. Nous attendons chacun de vous à cet événement avec impatience. Peut-être que c'est vous qui serez le plus chanceux, qui sera le gagnant du tirage au sort, rentrera chez lui avec des parts des cadeaux de Skyward Community. Alors, les conditions générales du tirage au sort de 1 million de parts. Vous devenez automatiquement membre du tirage au sort de 1 million de parts si vous avez gagné les statuts bronze, argent ou or dans la Skyward Community Champions Challenge. Alors, tous les participants au tirage au sort recevront des tickets pour la réalisation de chacune des étapes du challenge. Le bronze, un ticket, argent, 2 tickets, or, 3 tickets. Chaque ticket donne la possibilité de participer une fois au tirage au sort de 1 million de parts
qui seront divisées en sept parties. En conséquence, il y aura jusqu'à sept gagnants qui se recevront des prix. Le nombre de tickets reçus à chaque étape est additionné. Par exemple, si vous obtenez le bronze dans l'une des étapes du Skyward Community Champions Challenge, vous recevrez un ticket. Si vous obtenez de l'or, c'est de l'or dans les trois étapes, vous recevrez neuf tickets. Ainsi, plus vos réalisations dans le challenge sont élevées, plus les tickets sont accumulés. Donc, les chances d'être parmi les gagnants augmentent aussi également. Les gagnants seront déterminés lors en ligne. Les gagnants seront déterminés en ligne lors du tirage au sort pendant l'événement Million de Cœur Skyward Community. Nous vous rappelons qu'il y aura lieu le 22 décembre à 17h GMT plus 3, heure de Moscou. À Hanoï, c'est à 21h. Bogota, à 9h. Les langues de diffusion sont le vietnamien, l'anglais, le russe, l'espagnol. Pour vous connecter à l'événement, inscrivez-vous dès maintenant sur le site web que vous voyez là à l'écran, west.com. Alors, Unibus amélioré de 48 places a été envoyé à l'Ecotechno Park. Les travaux de mise en service de l'unibus de 48 places ont commencé. On commençait dans l'éco-technoparc. Il a été envoyé au centre de mise en œuvre pratique et de démonstration de la technologie UST après des améliorations en production. Les modifications ont été faites, ont affecté les modules passagers et de traction. Les ingénieurs de l'Unis Kistin Technologies, en collaboration avec les spécialistes du complexe de production SV Plant, pendant plus de 6 mois, ont travaillé sur une voiture électrique de 48 places sur roues en acier U4-220T2, améliorant les paramètres de performance clés du modèle. Les modifications ont affecté les modules passagers et de traction du lit mobile. Le chariot de traction spécialement conçu a été utilisé sur les deux. Sur les deux modules de transport pour améliorer la douceur de la conduite. Pour rendre le microclimat dans la cabine plus confortable, les unités climatiques d'origine et les conduits d'air ont été ajoutés. De nouveaux compresseurs et ventilateurs ont été installés également. Un seul accumulateur d'énergie remplaçant les couples facilite la maintenance et réduit les interférences électromagnétique qui, en outre, le système d'équipement électrique, autant pour moi, est presque entièrement redessiné. Nous nous attendons donc à améliorer la douceur de fonctionnement de la voiture, du lit mobile et le microclimat dans la cabine et à réduire le niveau de bruit, a déclaré l'ingénieur de conception principale de Niskis Technologies, Dimitri Vikrenko. Après l'installation du lit mobile sur la structure du trajet dans l'éco-technoparc, ces travaux de mise en service ont commencé avec des tests ultérieurs. Ces travaux devraient être réalisés au début de l'année prochaine. Donc, nous parlons ici d'un système de transport fondamentalement nouveau, surtout respectueux de l'environnement. Il s'agit d'une solution unique, innovante aux problèmes modernes du transport urbain et interurbain et à grande vitesse. Un projet international qui se développe aux Émirats arabes unis et en Biélorussie qui donne la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Alors, ce transport que l'on appelle U-Sky, c'est un transport qui se déplace au-dessus du sol, sur des routes, sur des rails à cordes à haute résistance. Ce type de transport permet, grâce à sa structure, d'éviter les embouteillages parce que nous sommes au-dessus du sol. Et aussi la pollution, il fonctionne grâce à l'énergie, grâce à l'électricité, autant pour moi, sans polluer l'atmosphère. Et aussi au gaz respectueux de l'environnement. Sans frontières, il peut être construit sur n'importe quel terrain avec n'importe quel climat.
En 1914, l'usine de confiserie russe appelée Énième produisit des bonbons avec des inserts publicitaires. Réalisé par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a représenté le monde, donc, dans un avenir proche. On voit là une escalade ajourée avec un wagon suspendu. Ici, on voit l'illustration suivante qui montre des voitures et les tramways qui entrent en collision. Les gens courent essayant de ne pas tomber sous les roues. Et dans le ciel, on appelle ça tramway céleste. Ceci, c'est une situation qui nous est déjà familière et pas seulement sur les images, non. C'est notre monde, c'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent donc l'économie et les ports. Surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises, les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, la surcharge des voies de transport, le manque de sécurité. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. Celle-ci résiste à l'homme tant qu'elle peut. Celui-ci reste persévérant, insistant à tel point qu'il oublie qu'il tue le monde dans lequel il vit. Regardez vous-même. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui, c'est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Alors, le prochain problème majeur ici, c'est la pollution de l'environnement. Le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons indirectement à des centrales qui, elles, fonctionnent à partir de combustibles fossiles et polluent également l'environnement. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie, d'où le quatrième problème, qui est la forte consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières et les forêts. Les tentatives de construire des routes à l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol, mais c'est la seule différence. Alors, ces photos que vous voyez ici n'ont jamais, au grand jamais, été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, personne n'a jamais combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur intégré dans la roue. Si vous remplacez donc pour ces enfants italiens qui traversent la rivière les simples roues rouleaux par les roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport qu'il ne faut bien évidemment pas confondre avec le téléphérique ou le funiculaire. Le transport que nous étudions aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Alors, il s'agit du transport Yusai, d'accord, comme nous l'avons vu en entame, qui est une ville linéaire en union avec la nature. Elle est constituée aussi d'éco-maisons, comme celle-ci, qui est une maison écologique. Et avant de pouvoir continuer, j'aimerais que nous lisions ensemble cette assertion du docteur Anatoly Yunitskiy, qui est le concepteur général des technologies, Yunitskiy Technologies. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Alors, fixons-nous le problème qui consiste ici à se déplacer confortablement, OK, d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Donc, selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. On peut voir tout cela sur cette image. La prochaine étape, c'est la création donc d'une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser le rail et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Et à ce moment, regardez, au lieu d'un pont lourd et goûteux comme celui-ci, on va plutôt poser le câble.
Les supports lourds n'étant donc pas nécessaires, on les remplace par des supports légers. Ensuite, donc, on va tirer le câble et fixer ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Puis, nous allons voir les supports qui n'étaient pas nécessaires et on va donc entourer notre câble dans une enveloppe et nous obtenons quoi? Une structure de rail unique. Alors, c'est ainsi à quoi ressemble cette structure de rail en section. La composition et les propriétés sont sur le schéma. On voit la tête en acier du rail. On voit les cordes qui sont des faisceaux de fil d'acier précontraints. OK, ici, on voit l'agent de remplissage qui est un béton spécial, flexible et aussi le corps du rail. Alors, sur cette base, il est possible donc de créer trois types de structures de trajet à cordes. Chacune d'elles a ses propres tâches et avantages. Alors, ici, nous avons les différents éléments qui font partie de la conception du châssis. On voit là le convertisseur de tension, la roue moteur, dispositif d'attelage de secours, un inverseur de moteur, un radiateur du système de refroidissement, une batterie d'accumulateur. Et tenez-vous bien, ce système aussi a, OK, dans la conception, un système anti-déraillement spécial. Regardez ici cette image, les rails réels, les dimensions réelles, autant pour moi, du rail semi-rigide et flexible. Avant de continuer, regardez ceci. C'est un photomontage qui montre les vrais aubans supportant le vrai pont. D'accord? Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure des trajets à cordes. En passant dans ce cas, vous pouvez donc vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Alors, ici, c'est une vraie photo. Ce n'est plus du tout un photomontage prise lors de l'Expo 2020 à Sharjah, au Centre de recherche et d'innovation technologique. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rail à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des bruits des rails en acier des roues en acier sur le rail en acier. Alors ici, c'est une autre photo de moi-même, de ce même centre, OK, qui date d'octobre dernier. Une magnifique photo que j'aime bien, dans ce centre où j'ai pu toucher du doigt cette belle technologie à laquelle je suis en train de participer depuis 2018. Alors, il est possible aujourd'hui de réduire la charge sur la structure de trajet et augmenter la capacité passante comme ceci. On peut subdiviser la composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. D'accord? Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux moteurs. Ceci, c'est l'une des roues moteurs créée donc spécialement pour le transport. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Tenez-vous bien, lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement, on le sait. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci. Sur le transport, le second niveau, les fuites d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici l'appareil qui vient d'être présenté sur le schéma précédent en grandeur nature. Cette image-ci montre les caractéristiques des deux véhicules ainsi que le recalcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel. Alors, les différents problèmes liés au transport moderne que nous venons de voir sont les suivants. La surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Alors, clairement, en regardant ces différents histogrammes, on peut se rendre compte que ce sont des caractéristiques comparatives des véhicules modernes et le transport à cordes que Yusuke offre est peu en vert. On se rend donc à la solution la plus optimale. Le graphique ci-contre montre clairement l'avantage du transport à cordes en termes de temps de délivrance et coût de délivrance. Et ce tableau, que j'aime bien, montre aussi
L'avantage de ce transport en termes de coût par kilomètre, comme je le dis toujours, il est près de 10 fois moins cher que toutes les autres technologies modernes de transport, à la fois opérationnelles et projetées. Pour moi, on dit que le transport à cordes, le SkyOff, est un transport léger, rapide, économique et écologique. Alors, tout le monde peut participer à ce projet, ok? Tout le monde peut venir apporter sa contribution pour l'avènement de ce transport écologique et sûr. Nous proposons des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars. Un plan de versement pratique divisé en 5 mois aussi est mis sur pied pour ceux qui n'ont pas la possibilité de payer en cash. Et il y a aujourd'hui plus de 400 000 investisseurs avec nous, y compris des hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs et des personnes des différentes professions. Les perspectives d'investissement dans le projet sont les suivantes. Alors, premièrement, des dividendes. La mise en œuvre du réussite du projet donne droit à des dividendes de tous les projets, de tous les bénéfices de l'entreprise. Rachat d'actions. La société peut décider d'un rachat d'actions comme elle a fait en 2018 pour les 5 000 premiers investisseurs. L'héritage. Les actions sont votre propriété. Vous pouvez les léguer à vos enfants en héritage. La vente d'actions. La valeur actuelle des actions est bien inférieure à la valeur nominale. L'entreprise peut décider plus tard de participer à l'échange boursier et vous pouvez avoir la possibilité de revendre vos actions à ce moment-là. Alors, l'auteur du projet, c'est ce monsieur, Anatoly Eduardovitch Nitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Comme on peut le voir, il est chercheur et inventeur, auteur de plus de 200 articles scientifiques, 20 monographies et plus de 150 inventions dans les domaines de la construction, du transport, de l'ingénierie électronique et l'industrie chimique. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur le site uniski.ingénieur. Il y a des matériaux là-bas que vous pouvez trouver pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Aujourd'hui, dans la technologie, nous avons plusieurs modèles pour le transport des passagers et autres, pour le transport des marchandises. D'accord? Et le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes sans interférer avec les autres modes de transport, comme on peut le voir. Et on n'a pas besoin donc de niveler les terrains, de bloquer les voies d'immigration des animaux pour construire ces différentes lignes-là, quelle que soit la zone géographique dans laquelle nous nous trouvons. Le transport à côte s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et les infrastructures urbaines. Et au début de 2020, le transport à côte a été présenté à plus de 18 grandes expositions de Berlin à Singapour. OK? Ici, donc, c'est au début de la délégation de l'autorité des routes et des transports de Dubaï qui a présenté le plan de développement des transports en commun et le modèle Unibike au Salon international InnoTrans en 2022, en septembre dernier, à Berlin. Nous vous rappelons que la préparation de l'appel d'offres RTA pour les constructions de routes à Dubaï est en cours. Parmi les 30 principaux participants, 5 offres ont déjà été sélectionnées, parmi lesquelles le transport à cordes. OK? Ici, c'est d'autres images, d'autres technologies dans d'autres salons internationaux. Pendant 7 ans, la technologie a été présentée au public mondial dans le cadre de plus de 20 expositions international. C'est énorme. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents qui confirment donc que le transport à côte a passé les tests peuvent être trouvés sur le site. Ici, c'est le document que le CEO tenait tout à l'heure, qui est un certificat de conformité. Alors, la technologie à côte a plus de 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine, plusieurs certificats récompense également. Sur cette diapositive, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site web de l'entreprise. Alors, nous parlons donc de cette entreprise-ci qui, en 2019, a été créée. OK? Parce qu'il était vraiment impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Et alors, depuis lors, la société emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. Sans aucun doute, Uniski String Technologies est partenaire fiable et consensuel pour les activités commerciales en Biélorussie et à l'étranger. Aujourd'hui, dans la production, il y a 11 machines complexes qui ont été conçues et fabriquées
au transport de marchandises et passagers urbains et interurbains. Et l'argent des investisseurs a permis de construire cet éco-technoparc non loin de la ville de Minsk en Biélorussie. Chaque année, à l'heure de l'Ecofest, des milliers d'investisseurs s'y rassemblent pour voir de leurs yeux la réalité de tout ce qui s'y passe. Quelque chose de nouveau ici est montré à chaque fois. En 2018, on a commencé la construction d'un deuxième centre aux Émirats arabes unis, dans l'émirat de Sharjah. Ce centre d'innovation de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction du Sharjah. Ce transport aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Et dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera naturellement dans le paysage terrestre et ne nous surprendra plus comme le métro ou le tram aujourd'hui ne nous surprennent plus du tout. Donc, en résumé, nous pouvons dire ici que le transport à cordes que nous venons de détailler est un transport sûr, innovant, qui se déplace à haute vitesse, efficace, facilement intégrable et surtout écologique. Alors, comme d'habitude, je vais vous laisser avec cette belle vidéo qui démontre l'Uniflash. Encore une fois de plus, je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sur le projet. D'ici là, portez-vous bien.